Bonjour à tous, alors aujourd'hui une énigme, l'énigme de Noël et d'Halloween. Une question, pourquoi est-ce que les mathématiciens et informaticiens confondent-ils toujours Noël et Halloween? Je vous laisse y réfléchir. Je vous donnerai un indice dans quelques secondes. Premier indice, c'est de vous demander quelles sont les dates qui correspondent à ces deux événements, Noël, Halloween. Je vous aide. Noël, c'est donc le 25 décembre. Halloween, c'est le 31 octobre. Qu'on peut écrire en abrégé, et c'est toute la subtilité de la chose, ici, décembre 25, octobre 31. Et là, je vous laisse y réfléchir, on est donc sur une vidéo de maths, hein, donc c'est avec les maths que vous aurez la solution. Comment peut-on considérer que ces deux choses-là sont les mêmes? Mon deuxième indice, ça sera dans quelle base? Petit à petit, on se rapproche de la solution. Et mon dernier indice, ça sera cette question, qu'est-ce que la base octale? Vous avez à peu près 30 ou 40 secondes et après, je donnerai la réponse. Donc, je répète, qu'est-ce que la base octale? Vous savez, en maths, on a des bases décimales, des bases binaires, hexadécimales, et en informatique, on a aussi la base octale. Eh bien, vous savez que dans le système décimal, on compte avec une base 10. Ça veut dire qu'on a 10 symboles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Avec ces 10 symboles, on arrive à exprimer tous les nombres par d'abord des dizaines, puis des centaines, etc. Quand on arrive à 9, vous voyez, les 9, donc on a 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Quand on arrive à 9, on crée ici une deuxième colonne, ici, ça sera les dizaines. D'accord? On aura donc après 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jusqu'à 19. Et à 19, on va passer à 20. Quand on aura rempli tout ça, on passera donc à la chaîne des centaines, etc., etc. Ça, c'est donc la base décimale. Eh bien, la question c'est, et si on avait uniquement 8 symboles, comment est-ce qu'on pourrait compter? Avec seulement 8 symboles, donc je vais compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et j'ai utilisé tous mes symboles. Maintenant, comment écrire le suivant? Je ne peux pas écrire 8 parce que je n'ai que ces 8 symboles qui sont juste avant. On doit écrire tous les nombres. En base octale, on va écrire tous les nombres avec uniquement des symboles parmi les nombres, enfin les chiffres de 0 jusqu'à 7. On ne peut pas utiliser ni le 8 ni le 9. Donc ici, le nombre suivant, qui sera le nombre 8 en base décimale, eh bien il va s'écrire non pas 8, mais ici il va falloir créer une deuxième rangée. D'accord? Donc on mettra un 0 et un 1. Ça sera le nombre ici 10, mais 10 en base octale. Donc je vais faire deux colonnes et on va numéroter à gauche en base octale et à droite en base décimale. On est parti. Donc en base octale, on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jusque-là, les nombres sont les mêmes. Par contre, en base décimale, on peut continuer. 8, 9, 10, etc. 11. Alors je vais tous les mettre. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On va aller jusqu'à 25 en décimale. C'est de là que viendra le DEC 25. D'accord? C'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter. À gauche, base octale. Donc ici, le nombre 7. Le suivant, ça ne peut pas être 8. On a dit qu'on n'a que 8 symboles. Donc on va créer notre premier décalage. 10 en base octale, ça sera donc 8. Ensuite, 11 sera 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors 17, pour l'instant, on est à 15. Et à 16, on arrive. On ne peut pas écrire 18. On n'a pas le droit, on n'a pas le symbole 8. Donc on a notre 20. 20, ça sera donc 16. En décimale. Donc 20 en octale, c'est 16 en décimale. Vous voyez, on perd en fait 2 par dizaine, parce qu'on a deux symboles de moins. On continue.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et là, on est embêté, on n'a pas le 28. Donc, on crée notre 30. Et le suivant, c'est 31. Donc, 31 en base octale, qu'on pourrait écrire oct 31, c'est décimal 25. Voilà l'idée de cette petite blague un petit peu. Le October, donc 31, et December 25, eh bien, ce sont deux nombres qui sont égaux, hein, mais écrits dans deux bases différentes, l'un en base octale et l'autre en base décimale. Et pour ceux que ça intéresse, hein, qui ont fait un petit peu d'informatique en seconde, en SNT, on a aussi la base hexadécimale. On compte avec 16 symboles. Donc ici, on va avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais on a 16 symboles. Donc là, on a déjà 10, il faut en rajouter. Donc ça sera A, B, C, D, E et F. Et une fois qu'on a utilisé nos 16 symboles, eh bien on a toujours le même problème. D'accord ? Mais tout à l'heure, en base 8, le problème était arrivé ici. Là, le problème arrive un peu plus loin. Et d'ailleurs, il arrive au deuxième endroit où on avait eu des problèmes en base octale. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On crée notre première dizaine. Donc 10 en hexadécimal, c'est 20 en octale et 16 en décimal. Et on va continuer. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oui, on peut aller loin. Ensuite, le suivant, il est intéressant, ça ne sera pas 20, ça sera 1A, puis 1B. Et ça, donc 1A, ça vaut 26. Et voilà un petit peu tout, justement, hein, le problème. Là, le changement arrivera à 32, on va devoir créer donc 2, la vingtaine, ça sera la vingtaine, arrivera à 32 en décimal. Donc voilà tous ces problèmes de numération qui sont sympas, parce qu'on amène ici ça avec une petite astuce visuelle sur les dates, qu'on écrit un petit peu de façon anglophone. Voilà. Pour terminer, on peut aussi parler de la base binaire avec deux symboles. Alors là, vous allez voir, il faut vraiment beaucoup rajouter de colonnes. Donc ici, 0, c'est bon. On n'a que deux symboles, des 0 et des 1. Le 2 va être s'écrire 10. Donc notre problème ici qui arrivait à 8 est arrivé à 2. Un 10, 11, mais on n'a pas de 12. Donc le ici, vous voyez, on doit déjà rajouter. Ça sera 100. 4, c'est 100. Donc après, on aura 101, et on les prend après dans l'ordre, 110, 111, après on n'a pas 112 évidemment, on a, donc ici, vous voyez, on a utilisé donc 111, et le suivant, c'est-à-dire le suivant, vous voyez, c'est une puissance de 2, ça sera ici un 1 avec 4 0, et on va continuer, donc ça fait tout de suite en binaire, vous voyez, des nombres qui ont des très grandes tailles. Voilà pourquoi parfois en informatique, pour écrire les bases, pour écrire les adresses IP, on utilise des écritures en base hexadécimale pour diminuer la taille des nombres, parce que la taille des nombres binaires, eh bien, c'est vite problématique. Donc voilà pour ce petit problème mathématique et informatique, hein, qui est une bonne devinette, puisque c'est la période de Noël. Et je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. À bientôt.